Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Je suis votre coach, votre Lady Kanta Beauty. Et aujourd'hui, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous partager mon expérience. Il y a de cela 4 mois, j'ai souffert d'une acné terrible au niveau de mes joues. Mes deux joues étaient enflammées de boutons. Et il y avait du pus à l'intérieur. Vous voyez les boutons, puis un peu de jaune au milieu là. En fait, c'était très, très, très vilain. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner tous les détails de comment j'ai eu ces boutons, avec quoi j'ai traité ces boutons et les gestes que j'ai faits et qu'est-ce qui m'a permis de savoir que c'est X qui m'a causé. Soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube Katna Beauty, cette chaîne où on parle de chat, où on parle de produits de beauté, d'entretien esthétique pour la peau. Ici, on parle de skincare. Je suis votre lady, votre coach skincare Katna Beauty. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo témoignage de comment j'ai réussi à traiter mon acné. Avec quel produit j'ai réussi à traiter mon acné. Donc, avant de commencer, je vous prie de bien vouloir vous abonner pour ne plus rater mes vidéos. Je vous prie de donner un like et surtout, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes lives et mes vidéos. Alors, je vais vous expliquer tout, comment est-ce que j'ai eu ces acnés. Alors, vous savez qu'avec l'avènement du COVID, nos autorités sanitaires nous ont demandé de porter un cache-nez pour ne pas choper la maladie ou pour ne pas contaminer les autres au cas où nous sommes malades. Quoi de plus normal? Nous avons tous respecté ces mesures barrières. Mais il y a eu une négligence de mon côté. J'aurais dû me faire confectionner un cache-nez personnel. Voilà, mais dans l'euphorie de mes courses et autres là, voilà, j'ai porté ce type de cache-nez. Vous avez vu l'image, voilà, c'est ce genre de cache-nez que j'ai eu à porter durant une très longue période. Et cette période, j'avais des commandes à répétition qui ne me permettaient même pas de sortir sans cache-nez. Toute la journée, j'étais avec cache-nez, sauf à la maison, alors que je rentre uniquement le soir pour dormir. Et de fil en aiguille. Et en plus, ce qui est vilain dans cette histoire, je n'ai pas vu les boutons venir sur mon visage. J'ai rien vu venir. Et je continuais mes routines tranquillement, tranquillement. Et un matin, je devais faire une vidéo TikTok au passage. Je suis aussi active sur mon compte TikTok qui s'appelle Lady Coach Skincare. Et je fais un gros coucou à la team TikTok. Je dois faire une vidéo TikTok et je me rends compte que mes joues sont enflammées, c'est-à-dire ma joue gauche, à partir du nez jusque bas, en remontant jusqu'aux oreilles, bouton. Ma joue droite, le nez, même voilà, cette zone-là, le menton, on n'en parle pas. Il y avait un vilain bouton ici. Et tout là, c'était une série de boutons de toutes sortes et c'était trop vilain. Très petit, 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 il y avait des gros, il y avait des moyens, il y avait toutes sortes de boutons. Ça m'a choqué. Et il y a une tristesse qui entre en moi. Vous savez, nous qui parlons de produits de beauté, on n'a pas droit à l'imperfection. C'est-à-dire, dans l'esprit de celui qui vous écoute, dans l'esprit de celui qui vous suit, vous devez être parfait. Parce que si vous parlez d'imperfection, si vous donnez des solutions pour des imperfections, si vous conseillez des produits pour celles qui ont des imperfections, c'est-à-dire la personne même qui parle est censée être sans imperfection. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'esprit des followers. Et là, je me suis mis dans l'esprit des followers, je me dis, mais mon Dieu, que vont penser mes abonnés si je suis comme ça? La tristesse est entrée dans mon cœur. Je ne vous mens pas, j'ai même pleuré. Parce que j'ai pas d'acné, j'ai pas de boutons. Et c'est une grâce de ne pas, de ne pas avoir. Bref, quand j'ai fini mon deuil, ben, je me suis dit, ben, c'est déjà là, je n'y peux rien, ben, il faut que je trouve une routine adaptée à ce vilain visage-là que j'avais et qu'il fallait que je traite ces boutons absolument. Donc là, maintenant, sans trop de bavardage, je vais vous montrer
le premier savon que d'abord, d'ailleurs, je suis allée plutôt en consultation. C'est vrai que je suis co-skincare, mais je ne l'ai pas la science infuse. Et aussi, voilà, je ne suis pas. J'ai quand même des limites dans mon travail parce que j'ai des supérieurs, j'ai des devanciers, j'ai. Voilà. Donc, je suis partie en consultation pour qu'on me donne, on me dise plus et pour qu'on me donne des produits adaptés parce que je n'avais jamais vu ça sur mon visage. Voilà. Je vais vous montrer le premier savon que j'ai eu à utiliser pour laver mon visage. Tout ce qui était tcha, tout ce qui était tous mes produits, j'ai tout arrêté pour utiliser des produits de pharmacie. Et voilà ce que j'ai utilisé. C'est voilà, la boîte. J'ai gardé la boîte pour faire mon témoignage. Donc, désolé si la boîte n'est pas belle. Mais c'est le savon de chez Neutrogena fait à base d'acide salicylique. Il est vraiment très, 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 très bon pour celles qui ont des acnés. Mais moi, ça n'a pas marché avec moi. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai utilisé ce savon, mais belle, quand j'ai utilisé ce savon, ça réduit, mais. J'avais l'impression que ça ne fait rien. C'est-à-dire que je me suis lavé pendant, j'ai vidé, j'ai fini le savon. Le savon est devenu tout petit comme ça. Mais les acnés étaient là. L'acné était là. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça avait d'ailleurs un peu réduit. C'est-à-dire que les tout petits étaient partis. Et j'ai aussi constaté que mon visage était devenu très, très, très sensible, fragile. Au point où. Au point où, lorsque j'étais en train de manger une sauce épicée et en voulant. Croquer le morceau de poulet, il y a voilà, il y a une goutte de sauce qui est tombée sur mon visage. Je vous assure que ça irritait mon visage. C'est-à-dire sauce, attends, une sauce même si on mange et qu'une goutte de sauce tombe sur la peau, attends, ça va pas vous brûler. Mais moi par contre, ça m'a brûlé. J'ai compris aussitôt que suite à l'utilisation de ce savon, ça c'est avec moi, mais je sais que ça marche, voilà, je vais bien mettre le nom du savon. Je sais qu'avec d'autres personnes, ça a traité, ça a marché. Mais moi, ça m'a fragilisé, sensibilisé au point où, même quand sauce est tombée sur mon visage, ça m'a brûlé. J'ai senti une brûlure en fait. Je n'ai pas une tache de brûlure, mais j'ai senti une brûlure. J'étais obligée d'aller rincer abondamment mon visage. C'était un calvaire pour moi. J'ai immédiatement viré le savon de chez Neutrogena. Alors, je l'ai viré. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai utilisé ce fameux produit Cutacnil 5%. Il y a le 10%, il y a le 5%. Donc, ce produit m'a été conseillé Cutacnil. Je vous explique Cutacnil. Alors là, je vais. J'applique chaque soir, on me dit oui, tu appliques chaque soir et tout. Voilà, je respecte la posologie, je respecte tout. Mais chaque matin, quand je me réveille, j'ai l'impression que tout est parti. Mais dès que je lave mon visage, avec bien évidemment ce gel nettoyant, qui d'alors m'avait aidé, rien, zéro. C'est-à-dire, conclusion, les produits de pharmacie n'ont pas marché avec moi. Ça avant, c'était bien, voilà, c'était bien, mais après, ben, plus de résultats. Donc, lui, allez, je l'ai viré. Cutacnil aussi, j'ai viré. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais attends, je ne veux pas rester comme ça. Et ben, il fallait pas que je pleure sur mes lauriers, il fallait que je trouve une autre solution. Donc, j'ai volontairement décidé d'écarter tous les produits de pharmacie. Et je me suis dit, mais attends, on a nos petits, nos petits pommades, nos petits trucs africains là. Ben, je vais essayer de toute manière, je n'ai plus rien à perdre, les boutons sont déjà là. J'ai essayé de marquer une pause, je ne mettais plus rien, je m'hydratais tout simplement et j'utilisais, je vous assure que dans cette situation, il n'y a rien qui marchait avec moi. C'était incroyable quoi, ce truc que j'ai vécu là. Rien qui marchait avec moi. D'accord, j'ai dit, bon. Je vais prendre en conclusion tout ce qui était produit pharmaceutique. Pour ne pas rendre la vidéo super longue, je vous épargne certains détails, mais sachez que j'ai eu à utiliser des lotions pharmaceutiques et c'est incroyable quoi, parce que ce qui est censé marcher sur l'acné, ben avec moi, c'était complètement le contraire. Du coup, je me suis rendu compte que mais tout ce qui sortait de la pharmacie, ça n'a pas marché avec moi. Ok.
Ok, donc on vire tout ce qui est de pharmacie et je retourne aux produits africains made in Africa. C'est-à-dire que nos épiderme, nos merci, là, parce que vous voyez un peu. Voilà, donc d'abord, j'ai décidé de marquer une longue pause. C'est-à-dire que puisque j'avais la peau tellement sensible, c'était juste de l'eau avec une mousse de savon. C'est-à-dire que je prenais le savon chat pour me nettoyer. C'est seulement que ça, ma peau supportait. Mais les boutons ne finissaient pas aussi. Et quand cette semaine est passée, voilà, j'ai essayé de laisser ma peau se régénérer. J'ai dit, ben, je vais retourner à mes produits africains. Le premier produit que j'ai décidé d'utiliser, c'est le Neva. Voilà. Ça, c'est une crème vraiment pour tout ce qui est bouton. Donc, d'abord, j'utilisais que le savon chat, parce que c'est ce que ma peau supportait. Je ne sentais pas de picotement ni de brûlure, rien. Avec de l'eau, c'est tout. Mais les boutons ne partaient pas. Voilà. C'était juste pour me laver le visage. Sinon, zéro, les boutons ne partaient pas. Et chaque soir, j'appliquais ça. Quand j'ai appliqué ça, quand j'ai appliqué ça, c'était quand même bizarre et j'ai souffert. Hein. Quand j'ai appliqué ça, j'ai remarqué que c'était que les petits boutons qui partaient, mais les gros ne partaient pas. Vous voyez que le tube est pratiquement fini. Désolé, le truc est tombé, mais ça n'a pas marché aussi. Je me suis donné encore du temps. Donc, Neva n'a pas marché avec moi. Mais par contre, ça, je sais que c'est bon. Il y a des femmes qui ont utilisé ça et elles ont témoigné des résultats. Mais moi, ça n'a pas marché. On vire Neva. J'ai dit, ben, attends, moi, je fais mon savon noir. Je vais utiliser mon savon noir. Pourquoi je me casse la tête? Donc, voici mon savon noir. Donc, je prends juste un tout petit peu. Je mets beaucoup d'eau dans un bocal et je verse. Et j'attends pour voir si je vais sentir des sensations. Zéro sensation, zéro picotement. J'ai dit, youpi! Donc, je continue avec ça. Alors, matin, soir, j'avais mon pot de savon noir que j'ai commencé à utiliser. Résultat, les gros boutons se sont percés. La graisse a commencé à sortir. Ah, mais je continue. Et j'ai continué mon savon noir. Donc, le premier savon qui m'a sauvé dans cette situation. C'est incroyable, hein? C'est-à-dire, j'avais la solution là. Et je suis allée faire le tour du monde des pharmacies. Donc, le premier savon qui a commencé à percer les boutons, qui a commencé à enlever le pus, qui a commencé à absorber le gras, c'est mon propre savon. Ensuite, la deuxième lotion que j'ai, c'était mon Rapide Clair de chez Neutrogena. Bizarre. Le savon Neutrogena, ça n'a rien fait. Mais par contre, la lotion Neutrogena, j'appliquais, je tapotais tout simplement là où il y avait les boutons. Et le lendemain, je voyais qu'il y avait une amélioration. Alors j'ai continué cette lotion et le savon noir. Il fallait une crème quand même. Quelle crème j'allais apporter? J'allais appliquer sur les boutons. Parce que ça, je vous le dis, ce n'est pas tous les soirs que j'appliquais. Ça, c'est une lotion qui est quand même un peu forte. Donc, ce n'est pas tous les soirs. Je faisais seulement que deux ou trois fois dans la semaine. Puisque j'avais la peau déjà très sensible, je ne voulais pas mettre tous les soirs. Donc, il y a des soirs où je ne mettais absolument rien du tout. C'est-à-dire, juste je lave, je dors. Parce que vraiment, voilà, la peau était fatiguée. Et ça, c'est juste, j'imbibe un peu dans un coton. Je tapote, je tapote, je tapote. J'arrête. Ensuite, voici le miracle, ce qui m'a sauvé. Je décide de prendre ma crème Kojic Clear et mon éternel épiderme crème. J'ai mélangé ces deux. Voilà, il est encore tombé. Et j'ai fait de ça ma crème parce que j'ai vu que je n'avais plus de sensation d'irritation et tout, de brûlure. J'avais plus ça. Donc j'ai fait ma petite crème. Et chaque soir, j'utilisais sur mon visage. Chaque soir, j'utilisais sur mon visage. Et le matin, et avec aussi à l'aide de cette notion, le matin, au réveil, marqué une nette amélioration. Mais j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et non seulement parce que mon visage avait un peu noirci, parce que normal, j'avais arrêté tout et tout et tout. Je suivais un traitement pharmaceutique qui n'a pas marché. Donc, du coup, j'avais le visage terne, j'étais pas si éclatante comme ce que vous constatez. Alors voilà mes deux produits, Kojic et ça. J'ai utilisé, j'ai vu que ça commençait, les boutons commençaient à partir, ça commençait à réduire. Et ensuite, je fais une cure
de zinc, oui, parce que j'ai traité de l'intérieur. Voilà. Voilà, j'ai fait une cure de zinc. Hein. J'ai commencé à prendre ces comprimés. Et aussi, ce que vous voyez juste en haut, c'est une cure de zinc. Zinc et vitamine C. Commencez, quand j'ai entamé la cure de zinc à la vitamine C, le processus de cicatrisation a commencé à s'accélérer. Je buvais chaque fois environ au matin, quand je me réveille, je me dois de finir 1,5 litre d'eau. Et je vous assure, au bout de 2 semaines, c'était comme la magie. C'est-à-dire, ça, c'était ma petite crème. Je ne me passe plus de ces deux. Avec ma lotion, ma cure de zinc, mon savon noir et mon sérum. Parce que je ne pouvais pas continuer de mettre ça directement. Il fallait un sérum. Et c'est mon sérum enzyme qui est toujours là. Et avec le sérum enzyme, voici le visage. Voilà mes chéris. Je suis fière du résultat. Je vous avoue que les boutons sont, en fait, c'est parti. Là, il n'y a que mes boutons hormonaux. Parce qu'actuellement où je vous parle, je vois mes règles. Donc, eux, ils apparaissent tout simplement parce que ce sont mes hormones et après, ils disparaissent. Mais plus, regardez mon front, plus rien du tout, c'est incroyable. Vous avez regardé cette vidéo, mais vous avez les produits. Essayez de les tester, surtout ces deux. Essayez de tester, ça c'est la magie. Essayez de tester aussi, ça c'est le sérum enzyme. C'est pour éclaircir, rajeunir la peau et tout. Il y a beaucoup de vertus. Voilà, essayez aussi cette lotion incroyable. Essayez aussi le savon noir et faites des cures de zinc à la vitamine C. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était mon témoignage avec ma peau et le conseil que je peux vous donner au niveau du cache-nez. S'il vous plaît, faites votre propre cache-nez en tissu. Lavez-les après chaque utilisation. Ne reportez pas le même cache-nez usé. Lavez-les pour éviter de choper les boutons. Votre téléphone portable, stérilisez, nettoyez, parce que j'ai aussi, je nettoyais mon portable. Ne faites plus allô allô si vous avez des boutons. Parlez par haut-parleur pour éviter que les bactéries viennent se coller à votre peau. Mes chéris, voici mon expérience concernant les boutons d'acné. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que les produits vont vous aider. Et on va se dire à une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. Peace.